et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme on l'a dit. Et on se retrouve parce que nous avons reçu un colis. Donc Nathan voit le colis, mais il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais on n'a pas... Enfin, j'ai juste ouvert un petit peu. Je ne sais pas, je ne te dirai pas. Donc, je vous montre le colis. Il ressemble à quoi et quelle est sa taille. Donc, attends. Voici le colis. Voilà, un grand... Il va avoir des énormes bonbons, je crois. Tiens, bon, on se demande pas si c'est des bonbons, hein, écoute. Donc, voilà, dans l'attente, on va l'ouvrir. Je préfère l'ouvrir correctement, comme ça, on regarde le carton. Tiens. Bon. Alors, attends, je vais dire quand tu vas l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir quand tu veux. Donc, vas-y. Ouvre-le. J'ai reçu du papier et une boîte à l'intérieur. Il y a une boîte à l'intérieur ? Ouais. Attends, il y a le papier au-dessus, on va enlever. Attendez, hop. Ouh, le beau... On a reçu du papier. Alors ? Ah, il y a déjà un indice sur la boîte. Il y a une boîte qui s'appelle Hélice. Hélice, est-ce que tu sais c'est quoi Hélice, Nathan ? Non, donc je montre juste la boîte comme ça. Donc, des bonbons. Hélice, des bonbons. Alors, Hélice, avec leur site internet ici, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Est-ce qu'il y a un autre indice pour savoir c'est quoi, Attends. Alors, vas-y, assieds-toi. Il y a un autre indice ici sur mon toit juste après. Oh ici... C'est une paire de chaussures. Ah bon pff. Voilà, c'est une paire de chaussures. Mais attention, ce n'est pas des simples chaussures qu'on peut acheter à Chaussea ou quoi que ce soit. Attends. Regardez. Donc, Hélice, voilà, la paire de chaussures ici. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Alors, on n'a pas de papier, elle a juste les chaussures. Le petit sachet ici. Alors attends, faut prendre la paire entière moi, attends. Pour la paire de chaussures qui sont approchées à deux. Voilà. Alors attends. Et ils vont où les roulettes? Attendez, hop. Ils vont où les roulettes? Ici. Ils vont en dessous. Comment? C'est des chaussures à roulettes. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Hélice. Ça fait très longtemps qu'elle existe cette marque. Ah oui, j'avais vu le monde de Tiffen, mais je me rappelais plus. Ah oui, le monde de Tiffen a fait la vidéo aussi, Kit Studio Test, je crois que c'est ça. Et je trouve que les chaussures sont vraiment très belles. C'est les, il y a longtemps, c'est les GR8 qu'ils nous ont envoyés. Donc on remercie bien sûr Hélice. Bon, je vous montre leur logo ici, la marque Hélice, de nous avoir envoyé ces magnifiques chaussures. Franchement, ils sont belles. Alors sur la paire de chaussures, il y a quoi, Nathan? Là au-dessus, accroché. Il y a des roulettes. Il y a deux roulettes. Et ça, je ne sais pas c'est quoi encore. On va regarder ça après. Une clé. On peut voir que. Ah, je sais c'est quoi. Attends, sur la boîte à chaussures, il nous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans la boîte. Et on peut voir que c'est écrit plug removable. Je sais, François. Ah oui, c'est pour enlever le cache en dessous de la chaussure. C'est pour enlever le petit cache en dessous de la chaussure. Bon, je vais leur montrer. Je vais la mettre là, parce que j'ai pas de chaussettes. Oups. Ça, c'est pour le petit truc comme ça ici. C'est pour enlever le petit cache. En fait, vous pouvez enlever ou remettre les roulettes comme vous voulez. Si vous voulez pas de roulettes, juste les mettre comme ça pour aller à l'école, par exemple. Ah bah, tu mets 100 roulettes et tu remets des caches en dessous. Parce que ils sont vraiment stylés. Et il n'y a pas de lacets, je pense. Ah, si, sur l'intérieur, lacets. On va les faire après. Donc, attends, je te propose que j'enlève le petit truc pour que ça soit un petit peu propre. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, on a tout enlevé. Et en 1, ils nous disent qu'on doit enlever. On va enlever le petit papier jaune aussi. Hein. On doit enlever les petits caches ici. Donc attends, j'ai juste enlevé le papier, non je vais le faire maintenant. Oh. Je vais le faire comme ça parce que comme on l'a jamais fait, je vais te montrer comment on fait parce que moi non plus je ne connais pas. T'en fais une et puis moi j'en fais une autre. Voir si j'y arrive déjà, hein. Sinon on devra demander un moment. Hein. Alors le petit truc il est ici. Je sais pas, je sais plus en français ça peut comment. Ah, okay. Voilà. Oh non oui. Ah ok. Ouais, c'est une forme de ok là. Même tu prends comme ça là et... Ouais. Donc voilà, bon, c'est écrit Hélice encore dessus, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En fait ici en dessous des chaussures vous avez un petit trou ici. Hop, vous appuyez pour enlever. Faut bien la mettre. En fait, faut l'enfoncer dans la chaussure et vous soulevez comme ça. Comme ça, ça s'enlève. Nathan, tu veux essayer proprement, bien sûr. Hein. Donc tu fais ce que je t'ai dit, comme je dis à la caméra. On l'enfonce. On l'enfonce d'abord avant de soulever, Nathan, et on relève doucement. Voilà. Et tu l'enlèves et tu me le donnes. Comme ça, on va pas le perdre. Oh, c'est trop. Voilà les petits caches. On va les mettre sur le côté. Ah maman, j'ai essayé. Et maman, je vais donc je vais les ouvrir. Attends, d'abord, regarde dans la chaussure, il y a un truc, Nathan. Il y a un petit peu plus comme ça pour regarder la forme de la chaussure, normalement. Là, tu l'as aussi. Et il y a les lacets. Donc les lacets, je les placé. Et on se retrouve quand tout est prêt et pour montrer comment on insère les roulettes. Le temps d'attendre mes chaussettes. Voilà les paires de chaussures avec les lacets. Elles rendent vraiment super belles. J'adore moi. Donc on a mis les lacets comme je vous ai montré. Maintenant on va mettre les roulettes qui sont là. Mais bon, c'est moi qui vais les mettre.
Donc voici une roulette de plus près. Donc elle est comme ça. Comme ça. Donc voici la roulette. On va la mettre dans une chaussure. Donc vous prenez la chaussure, la roulette, vous la mettez dedans. Donc comme c'est indiqué. Comme ça. Voilà. Donc pour mettre la roulette, on a eu un peu de mal. Il faut bien l'insérer dans la chaussure. Là par contre c'était pas bien inséré. Voilà, donc là faut bien l'insérer dans la chaussure. Pour l'enlever, vous avez bien de ça. Voilà, c'est bon. Vous passez sur le côté et vous tirez. Là on va pas les enlever parce qu'on va les mettre. Je peux mettre la première chaussure. Alors on installe les chaussures à Nathan et on vous présente après. Donc voici les chaussures, attends, tourne un petit peu. Voilà, bon stop. Et on se retrouve dans une deuxième vidéo pour vraiment faire le test en vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie de vidéo. Attends, est-ce que ça t'a plu d'ouvrir ce colis? Vraiment super. On remercie la marque Elise de nous avoir envoyé ce colis avec ses magnifiques chaussures à roulettes. On se retrouve dans une deuxième vidéo, deuxième partie qui sera pas le même jour, hein, ça sera un autre jour, pour le test des chaussures à roulettes. Je sens que ça va être une bonne partie de plaisir. On se retrouvera de son dehors et Nathan aura toutes les protections, hein, parce que pour les premières fois, on est obligé, nous sommes obligés de se protéger. Avec un casque aussi. Avec un casque aussi. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à partager la vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Alors, on se retrouve sur la prochaine vidéo sur notre chaîne. Salut.